On espère voir son copain zombie Ben Scott. Enfin, honnêtement, on n'espère pas le voir parce que ça va être très très chiant à regarder. Mais en tout cas, Jesse, ça va être sympa. Et je vais donc traduire les choses intéressantes. Vu que c'est en direct, on peut pas leur dire pause et attendez le temps que je traduise. Je vais essayer de traduire les choses les plus intéressantes qui se passent. La dernière fois était une catastrophe, je vous rappelle. La dernière fois était complètement une catastrophe. Car il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait strictement rien d'intéressant. Cette fois, j'espère que ce sera différent. Voilà. Trente secondes avant le massacre. Voilà, voilà. Et je vais peu parler, évidemment. Hein. Merci au dernier follow. Merci beaucoup à tout le monde et bienvenue. J'espère que vous êtes prêts. 10 secondes. Oh, putain. Pourquoi je stresse pour eux? Pourquoi je stresse pour eux? Ça a aucun sens. Aucun sens. Yay! Anthem, ouais! Yay! Another Anthem live stream. My name is Jesse Anderson, part of the community team here at BioWare, and I am joined by... I'm Ben Irving, the lead producer for Anthem. It's been a while. Has been a while. It's good to be back. It is, it is. So many things have happened since the last stream. Yep, indeed. So we've got quite a number of things to kind of show and go over today. Yep. So we want to put that up on the screen, some of the things we're going to be talking about today. There we go. And Ben, take it away. Yeah, so this stream is mainly about the Cataclysm. So Nouvelle one of the things cataclysm. That we've been focused on trying to change is we want to talk about things when they're closer to being done, mm-hmm. so that we can kind of talk about something and then ideally have the community play it. And so one of the things we'll get to a bit later is Inversion, how we want je sais to pas ce get c'est. Some feedback for the Cataclysm and how we want to do that on our public test server that Jesse will talk about at the end. Yep. That's something we want to do... pretty quickly. I'm kind of jumping ahead, but I think for the purpose of this, it makes sense to say, you know, we want to get people into public test server next week. So the things we're showing now, we want you all to play next week so that we can show to you. La semaine prochaine, on aura les serveurs test. And then we can normalement. Make it so that's ça kind tue. Of the purpose of this is to show you a bunch of stuff tester. And then ask you all to, if you're interested, to give us feedback. And then we can make it better and then we can launch it when it's ready. Yeah, and we'll talk more about that at the end of the steps that we're taking there and how you get access, all of that stuff. So yeah, but for now, what is the Cataclysm? So we've talked about it before. The Cataclysm is intended to be aspirational content. So we wanted to create something that is accessible to all players, mm-hmm. but also something that for the people who play the most, who want to min-max, who want to push themselves, who want to compete against others, we have some content that gives kind of that method to do so. And so... that's really what the Cataclysm is about. You know, we're creating it as an 8-week event. Mm-hmm. So the first 2 weeks will be some pre-events. We actually patched them in our patch this week. Yep. So they're not turned on yet, but they'll turn on 2 weeks before the Cataclysm starts. Yeah, that was what we had said, like this sets things up. That's what yep. that was doing. Yeah. Okay. Deux semaines avant le Cataclysm, il y aura des événements en fait dans le jeu qui vont se produire, qui sont liés au Cataclysm. A very short version is, you know, after the things that happen in the Crypt Path, the Dominion forces are in a bit of a disarray, and they're starting to feel really desperate. And so they're scared of this power that's rising to the north. And as part of that desperation, they are feeling connected to a power. A new faction emerges from the Dominion. They're led by someone called Vara, and I won't explain her story because you'll learn all about it. But in this act of desperation, the Dominion trigger a Cataclysm. And so the freelancer's job is to understand, you know, how did this happen and what can we do to silence the Cataclysm?
So that's kind of the narrative setup. So the 2 weeks of pre-events will explain a little bit of that. Donc il va y avoir deux semaines d'événements qui vont expliquer comment le cataclysme a été créé. Apparemment, ça vient des Dominions. Ils ont voulu faire quelque chose et ça s'est mal passé. Ça a créé un cataclysme et ça sera à nous de le contrer, en gros. Kind of high quality cinematic scenes, nouvelles factions qui seront tirées du Dominion. There's a brand new area called the Cataclysm, and that's what we're going to play through a little bit today. At least... Playthroughs are. We're probably going to give you a tour of it. Is that a better? We'll give you a tour of the area without une sorte kind of spoiling de faction rebelle dans les dominions, je pense. But we'll give you a brief tour of the area of the cataclysm. There are some new systems that come with this. You know, I talked about things like competing and being replayable and playing it a lot. So with that, we have some new systems: scoring, inversions, and leaderboards. And so we can talk about what those things mean as we kind of go through. And then, you know, the final thing is, okay, well, you have this cool stuff to do and play, like, why do I do it? What's the rewards? And so we have a lot of cool new vanity coming with the pre-events. And then in the 6 weeks when you play the actual Cataclysm, we have some brand new rewards as well as pendant six semaines, apparemment, on aura le cataclysme. So we might just talk about that at the end after we explain pendant how deux it mois. Works. We can get into, well... What are the new things that you have, and how do I get them, and how does it work? And we'll kind of cover that at the end. So that's kind of the high level of like, what is this cataclysm, and how does it work? And then I think what we'll do is, you'll probably. Allô? 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 How it works. Yeah. And we can, you know. Je sais pas. Just if we see a couple of questions from the chat, maybe even. Oh yeah, I have Twitch chat again here, right here, and I'm on Jesse's account, which means I can say whatever I want and not get in trouble. Yeah, please. Although now I've given myself up, but you that's have, fine. So they know it's not actually. Like, tout va bien, paniquez pas. My team. Il est en train de regarder le chat. Oh mon Dieu, soyez sympa. All right. So, are we ready? So look for questions. The only thing just to mention before we start is part of the cataclysm is there's a lot of kind of secrets and mysteries to solve, and even completing some of the objectives you have to figure out. And so we don't really want to spoil that for people by showing you how to do it. So this will be more of like, we'll fly to a spot, we'll kind of talk about it, and then we'll fly on. And so that if those of you that want to play on the public test server, which I forgot to mention is PC only for this first go round, you guys can go on there and play it and work it out kind of for the first time. Or if you want to wait till it goes live, il va avoir live, des sortes de puzzles, des mystères, we'll en fait, des choses secrètes dans le cataclysme, dans les événements du cataclysme. Et on va pouvoir les découvrir avec les server tests. So the build we're playing on ça va être cool. Is, a version that will probably be the one maybe next week. Changes, I'm not sure. So it is still working. It's work in progress. So you may see some things that are, you know, like... That's a great point. Hopefully nothing, you know, too out of whack, but... well, the intent, though, really is that this is early. Yeah. Like, in our development process, you know, we're not finished, and so there are things that are unfinished, and there'll be bugs, and the game might crash, and a bunch of things might not work, and... Ils sont en train d'expliquer que pendant les tests, les server tests, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas finies. Le jeu va possiblement crasher. Il y aura des bugs et tout ça. Donc, voilà. Il ne faut pas s'arrêter sur ça, en gros. Il faudra vraiment tester le cataclysme, précisément. I'm the worst drum player. Boring view right now, but. So. Are we on gameplay? No, you went to the wrong thing. Preview. That's afterwards, talking about more stuff. They're like, Cataclysm loot! We are going to talk about that some more. We are going to. Oh, here we go. It's all good. So, here we are. So qu'est-ce que c'est à droite? Angle here. This is score. Look at this beautiful beach. It is a beautiful beach. I was admiring beach. The birds flying off here in the distance. So, before you fly out. Right, I'm not leaving yet. Okay. So, you start the Cataclysm in kind of like this safe bubble. And you'll see what that's important in a second. C'est une nouvelle so a couple zone, things to call out here. The first one is on the right, you see a score UI, which is a new thing. You see the score multiplier, which is 1x right now on your score. So one of the ideas for the competition of the Cataclysm is you can beat the Cataclysm reasonably easily, but you get a low score.
you know, the challenge is to find out all the tricks and routes and different things to do to get a really high score. Yeah. So as we play, we can talk through what some of them are, but a lot okay, of them no, are going to le but, c'est d'avoir un grand score, en fait, dans le cataclysme. On peut le finir facilement, ils ont dit. Mais le mieux, c'est d'explorer, sûrement de tuer des monstres et tout ça. Can you turn us off the screen for a second? We just want to make... We have some secret okay, stuff let's we're go. Gonna do real quick. Cheat codes, sorry. Cheat codes, but I handed the controller to Ben. Ça a l'air intéressant, ce système. C'est pas mal. Oh, that would have been bad. I would have died. Yeah. So, you can solve right. it back now. Now we're good. Yeah, un so we timer, wanted to just peut-être? Do pense one pas. Player for the sake of explaining, but this is intended for four players, yes. And so it would be hard to... Okay, ils vont jouer à un, mais c'est surtout basé sur, sur le multijoueur, donc il faudrait être quatre plutôt. You know, a lower difficulty if you want to, you can see everything, but to get that higher multiplier... Yeah. That's where... plus on joue avec une difficulté élevée et meilleur le multiplicateur sera. Yeah, that's right. Bien joué, ça, c'est une... also, ça va pousser les gens à vouloir jouer en GM3 et à 4. C'est très bien. Yep. And then the rewards you get just scale depending on your level. Sure. So right, if well. You haven't finished and you want to just come back to the game and play it, you can do that. All right, enough oh. talking. Whoops, I hit my... Oh. Well, we didn't need that anyway. Oh, putain, Jesse, arrête de faire de la merde. C'est Jesse qui joue. Hein. Yes. For those who haven't seen, in 1-2, we added a... So this went live with chat wheel. So. Yep. But all right, here we go. Yeah. So when you leave the safe bubble, the first thing you notice is there is a crazy storm because you're in this cataclysm. You know, it's you can see the big waves, you can see trees blowing over, but also at the top you'll see a UI that is shrinking, and so basically super. That is your resistance to the cataclysm itself. And once that bar goes to zero, you'll take a bunch of damage and eventually be downed. So uh-huh. one of the donc, tricks sorte de to timer. The cataclysm is managing that bar. One thing you'll notice oh, putain, is Jesse en train is de mourir. Getting... En train de mourir. I don't have a great loadout here. That's why we turned on God mode. Il est en God mode, il peut pas mourir, pour montrer. Bah, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi le son a été baissé? Ça vient pas de moi, hein. C'est le son a été baissé. Je peux pas l'augmenter plus que ça. Just as a general mechanic, so now we're safe from the storm. And you can see the bar, the yellow bar falling back up. So one of the strategies here is if you find one of these activities to do, or one of these arenas, you need to create a safe zone. Like in that situation, Jesse would be down and he'd have to respawn and kind of start again. D'accord, donc il y a une barre so au-dessus a bunch of mechanics, the arenas have qui diminue parce qu'on est dans le cataclysme et ça nous fait, ça nous détruit petit à petit. Si la barre est vide, on va prendre des dégâts et mourir. Et à chaque fois, il faut créer en fait des safe zones en tuant des monstres et en déclenchant ces genres de mécanismes. Et ça fait des bulles et du coup, tu récupères ta barre et t'es tranquille, quoi. T'es safe. C'est pas mal ce système, j'aime bien. Jesse has created a bit of a safe zone for himself. But as he leaves it, he ends up back in the storm. So it is on a timer, so you have to reactivate. Okay, donc c'est un timer. Il y a un temps par rapport à la bulle. So we won't go solve that. Let's vous pouvez pas camper à l'intérieur, par exemple. Okay, where do we want to go? Oh, should we show the map real quick too? Yeah. All right. Wrong button. There is a map inside of the cataclysm. Putain, Jesse, c'est pas joué. Shows you where the arenas are at. C'est la carte. So you can see this space is actually really big. So we think there's a lot of stuff for people to explore and discover. And again, we call out the arenas, and not all of them are available at the start, right? So we'll extend that over the course of the Cataclysm event. You can see kind of the locks and the whatever. But there are lots of secrets and mysteries. So I think as people explore more, they'll find different ways to earn points. It's hard to describe some of this without getting super in the weeds and it's your first time seeing it, but there are some interesting things like you'll earn extra points when you're in the storm. Mm-hmm. And so, you know, while you disable something for the arena to solve that thing, when you solve the arena, you earn more time. So you can see the timer in the top right is counting down. Your ultimate objective is to defeat Vara. So we could fly straight to Vara now, who's the leader of the Dominion forces we talked about. We would just score. Il y a bien un timer en haut à droite, désolé, hein, par contre. But if we complete arenas, we add more time to that. So we can spend more time in here
earning more points and getting a higher score. Mais on peut rajouter du temps, again, il a dit, en faisant des objectifs. You get a 2x multiplier. Et le but, c'est de tuer Vara, une personne du Dominion. Well. So genre les rebelles du Dominion. And we've been iterating on what this is, and it's part of why we want the feedback from our PTS environment. But I think arenas increase the multiplier as well as add time for right now. We can tweak that. There are things to discover all around. Ah, il peut aller dans l'eau. Water, some are in different places that help you extend time and give you bonuses. So that's kind of the high level summary of the arena. We really love the look of this. I think our artists did a polished push last week and they're not quite finished, but I think it looks really cool so far, mm-hmm. especially the storm effects, which aren't turning up so great right now, but you can see the trees being blown over and stuff like that. I think it's really cool. Yeah, yeah. So that was a lot of information. Let me see if there are some questions, because I feel like I just said a bunch of stuff for 10 minutes. Said a lot of stuff, Ben. C'est pas mal. Il va regarder les s'il y a des questions sur le chat pour le moment. Can we talk about level design? I'd love to talk about level design. Est-ce qu'on peut parler du level design? Oh mon dieu, la blague. How long is the PTS for? We'll talk about that at the end, but la tête de Jesse, probably a couple of weeks, 2 to 3 weeks, and then we'll kind of assess the feedback and go from there. But we do want to try to get this out quickly and not spend a lot of time on feedback. On PTS. But we want to balance that with getting feedback and making sure we have this tuned and balanced, you know, in a way that is really fun to play for the whole event. Talk about loot. On va pouvoir tester ça la semaine prochaine, normalement, ça tue. Maybe we could rephrase the question to be slightly more respectful. But yeah, like I said at the very start, we're going to talk about what the rewards are and loot and a bunch of things. Ils vont montrer les récompenses à la fin. Cataclysm, because hopefully then that makes sense. So we'll do that. C'est vraiment cool. Honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup le concept, en fait. I really need to know about level design, okay. D'avoir un timer et on va devoir un peu se bouger. People asking some questions about matchmaking from the patch today. So we're seeing all that feedback. Yep. We're talking about it. When there's something to announce about that. We will do so probably via Jesse. So yep, no worries. I've been talking to different people on the team. There were some of you've been having problems with the time that takes. Il parle du matchmaking. On en a parlé avant le stream. Il y a des problèmes pour le moment avec le timer en fait du matchmaking. That, you know, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent pas vraiment à jouer. Time is supposed to be a max of 3 Donc minutes. ça va être corrigé dans pas longtemps. Running into longer. Yeah, so yeah. That's what we're investigating. What's could be happening there. Cool. Can you make that screen come back up? Oh, yes, I can. It has our talking points on it. Chat is saying a lot about loot, so why don't we go ahead and start. Oh, ils vont parler des loot? I will sit for 1 second. Okay, so my bad. There is, you're all good. We have a bunch of new rewards coming. With the Cataclysm itself. So again, the pre-events for 2 weeks, we have a lot of really cool challenges to do that reward a lot of cool vanity. And so that's kind of the reward mechanism for that 2 weeks. And then the Cataclysm itself, we're adding some things. So we're adding some brand new weapon types. And so we'll talk more about that later. They're not available at the start of the Cataclysm. So a bunch of the rewards will unlock as you progress through the Cataclysm. So the weapons are kind of the big... cool new thing. Nouvelles armes, nouveau masterwork, des armes de mêlée équipables. L'équipement de support en or et en orange. Finally. Yeah, which is cool. And instead of having that one purple slot. Yeah, just the one purple slot. So we're adding that in this patch. We are going to add new melee slots. So, and just to be clear, these are variants of the existing melee things. We're not adding axes or hammers or whatever, but I think it's really cool. Like say for the ranger, you have the shock mace right now, which is a primer. We'll add a variant for the ranger that could be a detonator, and so you can earn, you know, oh, la vache, work and legendary melee slots as well. So it's another cool okay thing. Donc par exemple, c'est un primaire pour le commando et il parle de
Du fait qu'une mêlée, un nouveau objet de mêlée peut être un détonateur au lieu d'un starter, en fait. Ça peut complètement changer ton gameplay, par contre. Ça, c'est cool. Oh, I talked about support gear first. Oh, yeah, so we're adding some new masterwork gear. I skipped that. So some variants of existing gear pieces. We're adding new masterwork and legendary versions of them. So there'll be some cool new gear to chase. Again, to mix up the builds, to kind of hopefully change the meta of what people are playing. And then the last bit, so all of that new stuff we're adding will be at a higher power level than the current stuff. So it's a 5-level offset for now, but that's actually one of the things we want some feedback on PTS from, is like, tout ça, ça va être good, plus élevé que ce qui est déjà disponible dans le jeu, en niveau, je parle. Chasing existing gear and things like that. So, you know, that makes Masterworks 66, I guess, and Legendary 76. Yep. Hopefully my math oscillates. It's okay. So that's the new loot coming. Ça, c'est super intéressant quand même. Now, the mechanism for this is probably something that we should cover a different time. I'll talk about it and explain it, but it won't be in the first PTS build. So the first PTS build, we want the feedback to be around gameplay, the gameplay experience, the Cataclysm scoring, how you do things. And then we'll patch in the new loot so that you guys can get some access to that and give feedback on those things specifically, and then how that affects the gameplay and stuff like that, just so we can kind of separate those things a bit. Yep. But the idea is the Cataclysm is a 6-week long event, like we said, and you earn currency by participating in the event. So that could be doing the Cataclysm itself earns you some currency, doing the daily weekly challenges for the game in general earns you some currency, and then in Fort Tarsus there'll be a new vendor. Des nouvelles pièces à récupérer. And spend currency, on rewards. Des currencies. So they'll come in the form of war chests. Et on va pouvoir acheter ce qu'on veut, apparemment. Il y aura un nouveau vendeur aussi à Fort Tarsis. Before we patch that into PTS, we'll probably do another stream or we'll do something. Yeah. And we can kind of explain how that works. But the core concept is you nouvelle play monnaie, the game, voilà. Participate in the event, earn a bunch of currency, and then you spend that currency on the war chests, and the things that are available in the war chests will change throughout the event. So for example, cool. At the beginning of the event, it will be like the new melee items will be the thing that you can, the things you can purchase from the event vendor. Yep. So that is how that works. Donc ils prennent une route un peu mieux pour nous, pour les joueurs. On va en gros farmer de la nouvelle monnaie pour pouvoir acheter ce qu'on veut. C'est plus ça maintenant, j'ai l'impression. Donc ça a l'air pas mal. We decided to remove luck from the game. Luck was a bit of a tricky stat that wasn't. Ah, ils vont retirer la chance. Caused a bunch of confusion. So what we did is we've basically taken it away and rolled in as if you had full luck to the base thing of every suit. So basically, if you played with full luck before, that's what it's like at a base level now. So the result of that is that there'll be much more loot dropping. Donc ils vont retirer la chance des GM3, en statistiques sur l'équipement et ils vont rajouter la stat maximum de chance à tout le monde en fait. Donc ils vont augmenter tout le taux de drop de tout le monde. So you get a bunch of armor. You know, instead of the luck, but we think it's a good change. Luck ended up not being a great stat, and the community didn't really like it, and fair enough. So we've changed that. We've also honnêtement, made je trouve few, que c'est super bien. Cette chance, c'est de la merde. Enfin, dans tout n'importe quel jeu. Time, but, ça t'oblige à privilégier la chance qu'autre chose. C'est débile. So, there are a handful of gear and weapons that became by far the best things to use, and so we're trying to tone them down a bit, buff up some of the other things, and that weren't as good to use or weren't part of the meta, and then rebalance some of the, you know, health and damage of creatures in GM3. So that's one thing we'd love feedback on from PTS. I don't know if okay, il va falloir donner beaucoup de feedback sur les versions test par rapport au GM3, donc ce qu'on fait nous, car ils sont en train de balancer les armes qui sont utilisées et celles qui ne sont pas utilisées, genre pour la méta par exemple. Le mortier, ça ne sert à rien, donc ils veulent que les gens puissent utiliser tout et ce qu'ils veulent, en fait, tout et n'importe quoi. Donc il va falloir vraiment beaucoup jouer à la version test pour donner un bon feedback. Oh, you gonna say something? Oh, I was gonna say, here's Vara. We won't go say hi to her, but
She's off in the distance. Oh, Vara est là. C'est le boss du Cataclysme. This is pretty early, so like the Vara we put on PTS looks pretty awesome, but doesn't really function that well. A lot of her mechanics are kind of not finished, so some work and some don't. But again, in the spirit of getting feedback on exploring the Cataclysm, working out scoring. Ok, apparemment Vara n'est pas fonctionnelle à 100% pour le moment. Elle est encore en test. We didn't want to wait for Vara, and then when Vara is closer to being finished, we can get the feedback on Vara as well. Yep, for sure. I'm getting some texts, which normally means I did something. Oh no, Ben, what did you do this time? Oh. Or are they yelling at me? Don't show that! Good question. So, I missed some important features, which to be fair, I remembered. I just hadn't got there yet. Oh, that's fine. Because chat want to talk about loot, so I like to honor the chat. But thank you, Christian, for the text. I appreciate that. He texted me and said, you missed an important question in chat, Ben. The question was in chat, is there some kind of ladder you can compare your score onto others? Great question. Yes, there is. So we're going to have leaderboards. The idea okay, maintenant ils vont parler du tableau kind of to, où on pourra plus ou moins créer une compétition entre les joueurs en fait. That can earn the highest score in Anthem. So, mais à quoi cool. Ça sert, c'est ça le but. That's not in here right now, but it will be in one of the PTS builds. We might have a early version in the first build, but I think it's coming in the second build, the second week rather. I'm about to run out. Le ranking, ouais. Oh, yeah, so. Ça sera pour plus tard en tout cas. C'est pas encore disponible maintenant, même en PTS, c'est pas encore. The time ran out, so now we end. Now we end. There we go. Hey, good timing. That's like, please look. And okay, so you can see we scored. I mean, le timer est fini, donc maintenant il est kické. But you can see on the right we scored. Et il récupère du max damage. Son score. So the interesting thing is, when you defeat Vara, your score is doubled. So part of it is ah, like si tu tues Vara, donc le boss score, de la zone, tu as x2 en score. Because then you double everything that you have. And if cool. you push it too close and you don't defeat her, you're going to miss out on a huge score, right? Because you don't get double points. Yep. There's another thing we didn't talk about yet, which was inversions. C'est quoi inversion, so inversions là? Are a way that we change how you play the game. So, for example, the Cataclysm will have inversions that change every week. An example of an inversion would be, earn your ultimate 400% faster. Or shotguns and SMGs do quadruple damage or do double points from kills. And so what we'll do is, each week, rotate the inversions that are on the Cataclysm. Okay, chaque semaine, il va avoir to see how the community reacts to quelque chose de spécial. Donc, par exemple, le fusil à pompe va vous donner example, double point en score, par exemple, si vous tuez des gens avec le fusil à pompe. Et chaque semaine, ça va changer. Donc, utilisez, par exemple, ça ou ça, ou alors votre ulti va augmenter beaucoup plus vite pendant une semaine. C'est ce qu'il veut dire avec le inversion, ce qu'il a dit. So that'll be an extra layer on top of this. And again, what we hope, and we want feedback from all kinds of players, what we hope is that, you know, this is accessible to people who just want to come and have fun. But if you really want to get into this and you really want to push score, you know, between the damage from the storm, the score multipliers, the arenas, the different routes you can take, the inversions, the new gear and equipment, and the hidden challenges, that there's a lot of different things. Mais j'avais pas parlé d'un système où tu choisissais toi-même ta difficulté et plus tu mettais de difficulté, plus ça augmentait ton score. En gros, c'est ce qu'ils ont créé. Putain, mais je suis trop bon. Cataclysm is an 8-week event. Mm-hmm. 2 weeks of pre-events that have lots of challenges that give out vanity as rewards into the 6-week Cataclysm event. Donc 6 semaines cataclysme et avant le cataclysme il y a 2 semaines d'événements, de pré-événements qui vont raconter l'histoire du cataclysme. Itself is available, which is a brand new area. It has a stability meter that you take damage from being in the storm. There are leaderboards where you can compare your score against others. You earn points. You find ways to get multipliers to the points. There are a bunch of arenas that will expand over the course of the event, so you can pick different routes and different arenas to do in different orders.
or to skip or to not skip, to earn more points and to earn more time and to earn more multipliers. We have the inversions that will change how you play. So each week we can offer players different challenges and different ways to play the game. We have a bunch of new rewards coming in. Des nouvelles récompenses aussi. Goes live. So we have some brand new weapons that we'll talk about a bit later. We have new masterwork gear variants we'll talk a bit about later. Okay, ça, on en a parlé, nouvelles armes, slots, so you can have primers or detonators, and they have nouveau équipement pour les attaques de mêlée et tout ça. To them. We're going to increase for the new stuff we add will be 5 item levels higher for their respective masterwork and legendary versions of it. And you earn those rewards by participating in the event, earning currency, going to the event vendor, spending currency, and the things that you have access to will change each week of the event. Le magasin aussi va changer chaque semaine pendant le cataclysme. And we have removed luck from the game and given it baseline. Donc vous récupérez la nouvelle monnaie avec le score du cataclysme et tout ça. Et chaque semaine, le vendeur va avoir de nouvelles choses. Luck builds. On va devoir farmer. Ouf, that's a lot. I think that's as high a level short summary as we can give of the Cataclysm. Yeah. Why don't you talk about our PTS plans and how people who are interested in helping with your feedback on this can come and server public test. Yeah, for sure. So we talked about a little bit at the beginning, but PC only for right now. Pour le moment and que PC. The way to get access is it's actually anyone who owns Anthem on PC or has Origin Access Premier, you will get it automatically once we turn the PTS on. So it will be its own separate client. So make sure you have the hard drive space. You'll have to download the game separately. Donc comme je pensais, ça va être un second jeu en fait. And that's how we'll have it. I think also there will be certain times where we have it, right? Like it's not up 24/7. I think that was one thing we forgot to mention. Yeah, it's a good call. So because we would like people to get together and group up, we'll probably have some designated days. Non, il faudra pas Origin Access. Yeah. We might end up with designated time windows, but I think the first time we do it, we'll probably have, it'll be up for a couple of days, then we'll take it down, just again to try to get people together playing as a group, because getting the feedback about group play is definitely what we want. Yep, for sure. Ça va pas être disponible tout le temps, en fait, le test. Once we have the PTS out there, we'll have a full post that details all this again, of how you get it, what this all means. Also, we're going to be, like Ben said, we're going to be updating it regularly. So, say we do one, PTS comes out a week later, we have another update to it. We'll post those notes, almost like patch notes of, here are the new things, so you can know what's changed between the builds. If we have any known issues where something is, like you said, Vara's abilities aren't working, we'll let you know that so that you're not having to say like, oh, there's a bug, oh, we know. And we're also, I think we're gonna have surveys available as well. So we have a UXR team here who can roll up all the feedback and information you have and provide reports for us with summaries and themes and things like that. So if you guys, if you all are happy to participate in that, like that's super helpful for us because it can get all the stuff collated in a way that's easy to digest so we can make decisions on what we should change. Yep. Cool. And there will be, so Answers HQ is where we're going to post all of this information. So you've seen, like, I just posted the update, kind of saying this stream was happening. So over there on Answers HQ, we'll share it again through the Anthem Game Twitter handle, you know, pointing to it once it's live so you can know where to get all the information, where you can go if you want to provide feedback, all those sorts of things. And like I said, it's going to be updated regularly, and we're going to be, like, I'll be in there, you know, talking with players. Yep, and you sure will. Anything else on PTS? I mean, that's pretty much just, you know, just make sure there's nobody really else. Really, this is all about, you know. Donc, si vous avez le jeu, si vous avez acheté le jeu ou vous avez payé pour le mois avec Origin Premier Access, machin, vous aurez la version bêta aussi de Anthem. C'est ça qu'il a dit. We still wanted to do it, learn from it, get the feedback, and then keep doing this as we do bigger content updates in the future. Yep, for sure. And we are aiming for next week, like we said at the beginning of the stream. So we'll let players know when that's about to hit. And also, I've seen people asking about EA Play. So we are going to be there, right? Yeah, absolutely. I mean, you're going to be there. I'm going to be there. Il y a Ben et Jesse qui seront à Electronic Arts Play. For us this year is more about, you know, the Cataclysm and PTS and talking about what we're doing with that. And so we have a whole lot of game changes coming, which
a group of people who play a lot of different EA games that we work with to get feedback on. So we have a bunch of us going to, we've got a couple hour working sessions with them to, they're going to play this for a bit, then sit with us for a few hours and talk about it. And so we'll be there doing that. We also have some areas for people who come in off the street, you know, the public to come and play Anthem, both the base game if they haven't played it before, but also check out PTS if they're a veteran player. So people can come and do that. And we'll have a couple of devs there, you know, answering questions for those people as well. And then we're going to do a short stream from there. It'll just be 5 minutes, kind of recapping some of the things we've talked about here. It's a bit of a broader audience, so it'll be a higher level view than this. But yeah, we're really just excited to get out there and talk to players, talk about PTS, talk about the Cataclysm, talk about, you know, what we have going on, and just get feedback and keep working on the game and keep making the game better. Yeah, and we will have, with the Game Changers, different things like podcasts, videos, interviews with with you know, the two of us, other members. So if you remember Chris Schmidt, who was on a stream a while ago, everybody loves Chris. And yeah, I forget all who's going, but we have a lot of different There's a bunch of us going. So we'll have, I think, some pretty interesting podcasts kind of covering different topics of where they can speak to their specialty. So we'll share all that information too, so you can know where to go get a little more of the meaty details. But on a plus de détails pour l'Electronic Arts Play. We are over time, which means it's time to wrap up. Yeah, we are right there at the minute. But thank you everyone for joining in. We'll, you know, do another live stream probably after EA Play once we're, the PTS is up and we've got more updates. We can talk more about the different weapons and things, like Ben said. But yeah, stay tuned to when PTS is ready, and we look forward to hearing from you all. Yeah, absolutely. Thank you all for tuning in. All right. Take care. Have a good day. Take care, guys. Bye. Bye. Wow. C'était pas une catastrophe. Oh la vache. Ouh. Oh putain. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont venus en cours, désolé si j'ai pas salué tout le monde. Donc on était en train de regarder le stream, on a des très très bonnes nouvelles, Est-ce que ça peut faire en sorte que Anthem survive? Je dirais oui. Honnêtement, je dirais oui. Je pense que ça pourrait être un bon truc. Je pense. Excusez-moi, attendez. On va faire ça, ok. Donc, on va faire un récapitulatif. La chance, alors pour ceux qui parlaient de loot, parce que encore une fois, c'est là toujours la même question, j'ai vu pas mal aussi dans mon chat. les loot, comment ça marche? Est-ce qu'on va avoir des trucs? La chance va être retirée du jeu. Donc la chance sera complètement retirée du jeu. Et tous les joueurs vont bénéficier d'une chance au maximum. C'est-à-dire que toutes les stats de chance que vous rajoutez en fait sur le jeu, ça avait un certain cap. Et bah ce cap-là va être mis dans tous les joueurs automatiquement. Donc vous allez voir de meilleurs loot. Évidemment, c'est obligé. Donc ça c'est pas mal. Pour le cataclysme, alors le cataclysme ça marche d'une façon assez sympa, surtout que ça marche, c'est pas vraiment par rapport au loot, c'est pas par rapport à la chance, c'est surtout par rapport à ce que tu fais et comment tu combats, et combien de temps tu oses mettre dans le cataclysme, et ça c'est pas mal, c'est-à-dire que plus c'est difficile, plus tu passes du temps dedans, c'est-à-dire à combattre des monstres et faire le tour et résoudre des puzzles aussi. Ils ont parlé de sortes de puzzles. Alors, je dis puzzle, mais c'est pas vraiment le bon mot. Il y a des mystères, en fait, à résoudre dans cette zone. Et ça, ça va rajouter des points pour le score. Et une fois que tu tues le boss de fin, donc le boss du cataclysme, c'est Vara qui a créé, ou alors qui vient du cataclysme. Et une fois que tu tues le boss, tout ça sera doublé. Et ces points-là, cette monnaie-là, en fait, cette nouvelle monnaie, sera disponible pour tout le monde. Et vous pourrez aller au magasin, un nouveau magasin, Fort Tarsis, où vous allez pouvoir acheter des nouvelles armes, nouvelles choses. Tout simplement. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Parce que du coup, ça élimine le facteur aléatoire. Et l'aléatoire, ça rendait les gens fous. Ça rendait les gens complètement fous. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, alors, le cataclysme dure seulement 6 semaines, exact. Chaque semaine aussi, pendant le cataclysme, il va avoir une
inversion, je vais le dire sans accent anglais, et chaque semaine il y aura une sorte de bonus sur une arme ou sur quelque chose en fait. Si tu utilises un fusil à pompe, t'auras plus de points, tu feras un meilleur score si tu utilises le fusil à pompe. Donc chaque semaine, on va pouvoir avoir des points décuplés et on va devoir un peu se forcer à utiliser différentes choses, ce qui est bien, je trouve ça c'est plutôt cool. Et chaque semaine, ça changera. Donc Cataclysme 6 semaines et il y aura 2 semaines avant le Cataclysme qui va expliquer comment le cataclysme s'est déclenché. Apparemment, de ce qu'il a dit Ben, pour le moment, ça vient du Dominion. Le Dominion, une partie du Dominion, donc peut-être des rebelles, on va appeler ça des rebelles, ont déclenché le cataclysme et ont créé cette nouvelle zone. Et c'est à nous de l'arrêter. Ah, donc voilà. Est-ce que j'ai lâché FFFBE ? Non, mais je fais plus de vidéos dessus, non. Pour ce qui est des serveurs test, c'est la semaine prochaine. Donc si vous êtes sur PC, vous allez pouvoir jouer au Cataclysme la semaine prochaine. Et il a dit que les serveurs test seront pas tout le temps ouverts. Il a pas dit combien de temps, mais des fois ça restera pendant 3 jours. Après, vous pourrez plus y jouer, etc., etc. Et à chaque semaine, ils vont essayer de rajouter des choses dans le serveur test, en fait, sur le serveur spécial de test. Et après, il va falloir donner son feedback. Encore une fois, je le répète, donc il a dit sur Answers HQ, donc c'est Electronic Arts Play, non, c'est Electronic Arts Help, pardon. Quelqu'un a mis le lien tout à l'heure dans le chat. Donc il va falloir, voilà, merci beaucoup Innocent, il va falloir vraiment donner son feedback, parce qu'il y a aussi une nouvelle équipe apparemment qui travaille sur le feedback par rapport au test, au serveur test. Une équipe qui va grosso modo lire tout ce qui se passe, tout ce que les gens disent et faire un peu le tri. Honnêtement, Electronic Arts Help est une catastrophe, les gens écrivent tout et n'importe quoi, donc faites ça bien, honnêtement faites ça bien, sérieux. Faut vraiment que ça se fasse bien. Et de ce que j'ai vu, ce qu'il a dit, c'est que à peu près une semaine, deux semaines après le serveur test, ils vont à chaque fois faire un compte rendu de ce qui vont être changé ou pas, ou alors des choses qui marchent ou pas. Et ça sera tout sur Electronic Arts Help. Voilà, tout sera là en fait. Tout le communicatif par rapport au serveur test sera là. Donc gardez ce site dans vos favoris. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a à dire encore? Donc, la change en est par délai. Le système de cataclysme est pas mal. Il n'y aura pas que le cataclysme qui donne du score, apparemment. Il y aura aussi d'autres événements en dehors du cataclysme qui pourra donner des scores et de la nouvelle monnaie. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais, le score, c'est la nouvelle monnaie, c'est ça. Alors je pense que c'est très bien leur système, parce que ça va éviter que les gens se monopolisent en fait sur l'aspect aléatoire des drops, et ça c'est bien. Aussi tous les nouveaux équipements, donc les armes de mêlée, les nouvelles armes et tout ça, seront d'un niveau supérieur à ce qu'on a maintenant. Donc ça c'est aussi intéressant, parce que du coup si c'était exactement le même niveau on s'en foutrait complètement, mais vu que ça sera un niveau supérieur... ça vous, dans un sens, force à vouloir les récupérer pour être plus puissant. Ça, c'est bien. Aussi, plus vous allez gagner plus de récompenses avec le score et tout ça, la nouvelle monnaie, si vous jouez en difficulté accrue. Donc, encore une fois, meilleur stuff en cataclysme. Oui, c'est de ça que je parle. Le marchand qui sera à Fort Arcis ou je sais pas où, qui vendra des choses du cataclysme, aura des choses de plus haut niveau. Et aussi, ça forcera les gens à jouer en GM 2 et 3, surtout, parce que plus c'est difficile, et plus vous gagnez des récompenses, plus vous gagnez de la monnaie, en fait. Donc, encore une fois, ne passez pas votre temps à spammer du GM 1, soyez habitués à jouer en GM 3, ça c'est important. Donc là, ça va être vraiment cool. Exact, il y a aussi un gros potentiel de changement de gameplay par rapport aux armes de mêlée.
Donc il a dit qu'on va avoir un nouveau slot pour mettre une arme de mêlée, donc ça va changer. Mais il a dit qu'on n'aura pas des armes genre des haches ou des marteaux pour le colosse, des trucs comme ça. Ça ne sera pas ça, mais ça va changer comment elle fonctionne. C'est-à-dire que par exemple le commando c'est un starter, donc il met l'élément foudre, et après vous faites exploser avec une roquette. Et ben là, l'attaque de mêlée du commando pourrait être un détonateur à la place. Donc ça va changer le gameplay, vous allez pouvoir jouer avec ça. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Quoi d'autre? Ils ont pas parlé de guildes. Ça, pour le moment... Je pense que les guildes viendront plus tard. Et je crois que avec la mise à jour d'hier, avec le chat, là, vous voyez le chat que moi, j'ai pas des fois. Je pense que ce chat-là deviendra vraiment un chat écrit. Et c'est à ce moment-là que les guildes sortiront. Honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore sorti. Nouvelles armes, on n'en a pas vu encore, mais il y aura des nouvelles armes. Il y a les supports, les habilités de support qui seront en orange et en or aussi. Ça c'est bien. Et des nouvelles habilités aussi, enfin des nouveaux équipements quoi. Changer d'éléments, on sait pas. Pour le moment, Ben a donné un seul exemple, c'était ça. C'était que l'attaque de mêlée, au lieu que ça soit un starter, devienne un déclencheur, et c'est tout. Pour le moment, on sait pas plus. Donc peut-être que changement d'éléments, peut-être une masse de feu pour le commando, peut-être une masse de glace. Aussi, je voulais rajouter par rapport au serveur test. Donc si vous avez acheté le jeu, vous allez avoir accès au jeu. C'est un deuxième jeu, attention, c'est un nouveau client. Donc il va falloir avoir de la place parce que vous allez re-télécharger en gros Anthem. Et ça va être un deuxième Anthem qui sera strictement réservé pour les serveurs test. Donc si vous avez acheté le jeu, vous aurez directement accès à ça. Et si vous êtes aussi abonné à Origin Premier Access, Origin Access, vous aurez aussi accès au serveur test. Donc voilà, dans un sens, vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu. Donc c'est bien. Et pour le moment, que PC. Voilà, pour le moment, que PC. Alors, Jesse a dit, pour le moment, ça sera que PC. Est-ce que ça sous-entend que plus tard, ça sera console? On sait pas. Mais pour le moment, c'est que PC. N'oubliez pas, normalement, le stuff... Oui, exactement. Ce sont des serveurs test. Ça va pas se transférer à votre compte principal. Ça sera... un autre javelin, un autre joueur, ce sera, enfin un autre pilote, rien ne sera transféré sur votre compte. Donc ce sera seulement pour tester. Mais de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on tourne en rond dans Anthem. Donc on n'a rien à faire, honnêtement. On n'a vraiment rien à faire. Donc à la limite, quand les serveurs test seront ouverts, bah on fonce dessus, quoi. Et on passe du temps dessus. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Pour tous les nouveaux qui sont arrivés, merci infiniment déjà d'être arrivés et de follow et tout ça. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours suivre le Discord, enfin venir sur le Discord. On joue beaucoup en thème en ce moment, mais on joue plus ou moins à tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on se concentre sur en thème, et je pense que la semaine prochaine, ça dépend. On n'a pas encore les dates, mais c'est la semaine prochaine qu'on aura les serveurs test. Ça, c'est vachement bien. Et je pense que je vais faire peut-être un salon exprès pour le Discord, où c'est que tout le monde pourra écrire son ressenti par rapport à ce qu'on teste. Donc ça peut être intéressant. Et une fois qu'on aura parlé en vocal et tout ça, de ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on a testé, on pourra tous le poster sur Electronic Arts Help, par exemple. Genre, on essaye d'être une communauté, et on essaye de faire avancer les choses. De toute façon, toutes les personnes qui sont ici, je pense que vous avez un certain amour, peut-être malsain, pour Anthem, et vous espérez que Anthem réussisse. En tout cas, j'espère. Donc on verra ça. On fera des stream tests, exactement. Il n'y a que Goldo qui déteste Anthem, mais faites pas attention à lui. Oui, je ferai des streams. Ça dépend quand est-ce qu'ils sont ouverts, en fait. Parce que ça aussi, ça sera limité. Ça sera limité, donc on verra. Cocktail, j'ai pas de PC. Désolé. Au passage, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Ça donne de la chance en plus. Merde, je peux plus le dire, ça. Ah, putain. On aura tous la même chance. Merde. Oh, mince. C'est chier. Mais on a des émotes assez cool.
On a des émotes assez cool. Ah, donc vous êtes les bienvenus. Vassa, le boss de la zone, apparemment pour le moment ne fonctionne pas à 100%. Vassa, je sais pas, c'est une femme, féminin, c'est un monstre féminin. Elle n'est pas fonctionnelle pour le moment. On pourra la tuer sûrement, mais les animations, tout ça, elle n'est pas à 100% opérationnelle. Donc faudra la tester. On pourrait faire quoi encore? Je vais avoir à prêter Anthem lundi. Anthem vaut très, vraiment le coup. Tu es satisfait du stream? Oui, honnêtement, oui, parce que bah, déjà j'ai l'impression qu'il m'écoute. Jesse! Oh, Jesse! j'ai l'impression qu'il m'écoute vachement en fait. Et c'est ce qu'il fallait. Il fallait moins d'aléatoire, déjà. Parce que les gens devenaient fous à cause des drops aléatoires. Il fallait quelque chose qui pousse les gens à vouloir jouer en difficulté supérieure. Et c'est ce qu'on a. C'est complètement ce qu'on a. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, c'est Vara. Ah bah ça. Donc, récapitulatif de comment se passe le cataclysme. Donc, c'est une nouvelle zone. Pas mal grande, hein, quand même. Elle est vraiment bien, la zone. Et donc, c'est une tempête qui va constamment... Enfin, vous avez une nouvelle barre qui va se réduire au fur et à mesure que vous restez dans le cataclysme. Et une fois que cette barre est vide, vous prenez des dégâts en continu et vous allez mourir, tout simplement. Donc au bout d'un moment, l'équipe meurt, évidemment, il n'y a pas moyen de survivre. Et apparemment, donc, on va avoir différents endroits, des zones safe, où on va devoir combattre des monstres, parce qu'évidemment, c'est protégé par le Dominion et des trucs comme ça. Donc une fois qu'on les tue, on va pouvoir en fait activer une machine, enfin on n'a même pas besoin vraiment de les tuer, on peut activer la machine directement. Et cette machine-là va créer une bulle. Et ça sera un endroit où vous pourrez rester et vous pourrez survivre. Cette bulle est un temps limité. La machine, il faut à chaque fois la renouveler, la remettre en route. Donc vous pouvez pas rester en illimité sans rien foutre, en fait. Donc ça, c'est bien. Et il y aura aussi un timer général dans le cataclysme. Vous pouvez pas rester 3 ans non plus. Et il va aussi avoir donc différentes petites zones dans le cataclysme. Enfin, sur la map, en fait. Avec des énigmes. On sait pas trop ce que c'est. Ils ont pas voulu nous le dire. Ils veulent qu'on les découvre, qu'on testera le jeu. Donc, et quand vous résoudez, vous pouvez résoudre en fait ces petites énigmes ou ces, je sais pas, c'est peut-être des petits boss, peut-être, pourquoi pas, des petits boss à tuer, tout ça. On va gagner plus de points qui vont s'additionner en fait à notre score. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc en gros, ça va nous pousser à faire le tour du cataclysme, le tour de la map. Rester ensemble, rester une équipe soudée, jouer en GM3, c'est mieux. Et après, une fois qu'on a tout fait, qu'on a notre score quasiment maxé, on tue le boss pour avoir x2. Le boss nous donne x2. Donc voilà. Donc les gros joueurs pourront le faire genre toute la map, mais si vous n'êtes pas au niveau ou alors que vous voulez faire des petits runs, vous pouvez tout simplement rusher le boss. Et vous aurez des points et un x2 à la fin. Voilà, vous pouvez faire ça, tout simplement. Ou alors, vous pouvez tout simplement farmer aussi. Vous farmez, ne tuez pas le boss, vous attendez que le timer finisse. Donc voilà, tout marche en fait. Tout type de joueur peut y jouer. tout type de joueur peut y jouer. À mon avis, on va farm GM2 au début avant que la team soit prête à farm le GM3. Avant de connaître les ficelles, oui, c'est possible. Alors, oui, exact, parce que là, je vois, genre, rusher le boss en GM1, ça sera... Attends, c'est quoi? Voir si rush le boss en GM1 ne sera pas plus rentable. Alors, oui, exact. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut absolument tester avec les serveurs test, voir s'il n'y a pas quelque chose comme ça, où les gens vont complètement éviter, complètement éviter de jouer en GM3 ou en GM2, et vont complètement spammer le GM1. Voilà, ça, il faudra vraiment faire des tests,
Et à la limite, alors moi je le vois déjà très bien ça, parce que je sais que les gens vont le faire, ils vont vouloir la chose très simple. Donc augmenter le pourcentage de récompense en GM3, tout simplement. Genre tu fais, au lieu que ça soit peut-être par exemple x3 par défaut, il faut x6 par exemple, ou x10. Donc comme ça, les gens vont être forcés de jouer en GM3 s'ils veulent beaucoup de points. Et les gens qui se forcent à jouer en GM3 auront des meilleures récompenses, auront plus de points. Donc voilà. Ça, il faudra vraiment tester en serveur test. Il faut absolument le tester. Il faut absolument le tester. Je pense que la difficulté GM3 sera plus proche que les Fortos que partie libre. J'espère aussi, parce que si c'est que de la... C'est vrai que si c'est de la difficulté de partie libre, ça va être assez simple. Honnêtement, ça va être assez simple. On peut solo la partie libre en GM3 assez facilement. Mais voilà. On va se faire chier si c'est ça, exact. Si c'est ça, si c'est seulement ça, on va se faire chier. Donc il faut de la grosse difficulté, honnêtement. Si crossplay, je serais vraiment... On se retrouve... C'est vrai que le crossplay aiderait énormément de jeux. Tu vas faire une petite forteresse avant de quitter le stream? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai toujours pas mangé rien. Peut-être que demain on streamera un peu d'Anthem histoire de parler. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont revenir et qui seront pas par rapport au stream et tout ça et les nouveautés. Donc voilà. Je pense qu'on streamera un peu d'Anthem demain. Merci pour tes explications. Bonne nuit, Cocteau. Merci beaucoup d'être passé. Je reposterai le stream des développeurs sur ma chaîne YouTube et sûrement je ferai une vidéo aussi par-dessus pour faire un petit récapitulatif. Mais ouais, on a du très bon truc. Du très très bon. Merci à tout le monde, merci aux nouveaux follow. Excusez-moi parce que j'étais en train de blablater. Donc du coup, j'ai zappé pas mal de personnes, mais en tout cas, merci beaucoup aux follow. Et bienvenue. A plus Tokyo, merci d'être passé. Ouais, il faut faire un récap, faut que j'écrive tout ce qu'on a parlé. Mais c'est vraiment bien, honnêtement. Est-ce que Anthem est sauvé? Anthem devient un jeu intéressant. Anthem est devenu vraiment un jeu intéressant maintenant. Bonne nuit papy. Bonne nuit à toi. Merci beaucoup d'être passé. On est à 130. Ah ouais. Bonjour tout le monde. Ça va? Passez un bon moment. Ah mais il y a des fans d'Anthem ici. Ah putain. La vache. On en fera demain des forteresses, on en fera demain. Alors, le problème maintenant, je pense que... Il va falloir être assez nerveux, et de notre part, et de la part de... je pense de... comment ça s'appelle ? Des développeurs. Parce que... Désolé. Parce qu'il faut que tout sorte vite maintenant. Il faut que tous les rajouts sortent vite. Parce qu'encore une fois, il n'y a que les PC qui vont pouvoir jouer à ça. Et ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème parce que ça va couper la communauté. Toutes les consoles, en fait, vont se faire chier encore. Tout le monde va se faire chier. Donc, il n'y a vraiment que le PC qui va s'amuser. Et ça, c'est un problème. Donc, si jamais vous testez le jeu... Faites un fichier texte, écrivez tout ce que vous trouvez bien et ce qu'il faut changer, et envoyez tout ça à Electronic Arts Help. Comme ça, ils auront du feedback, et comme ça, ça aidera à faire évoluer le jeu dans le bon sens. Honnêtement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Au
Ouais, on verra combien de gens il y a, combien de gens veulent tester le. A plus Nerfun, bonne nuit. Combien de gens veulent tester le. Le serveur test, voilà. On verra ça quand ça sera opérationnel. Donc la semaine prochaine, pardon. Une pensée pour les grippins, une pensée pour les grippins. Arrête, je vais me faire détester de la communauté PS4. Méga chaud pour le GM3. Ok, cool. Après, il faudra voir comment ça se passe avec... parce que ce sera un nouveau client. On n'aura pas notre personnage, je pense. Donc du coup, on aura sûrement des... Des javelins par défaut. Avec un pilote niveau 30, je dirais. Et sûrement peut-être tout en légendaire, genre pour tester. Je sais pas. Donc on verra comment ça se passe. Mais faudra voir ça aussi. Enfin voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Demain on fera un peu de Anthem du coup. Demain on fera du Anthem. Et on continuera ça. On fera un peu de GM3 et tout ça. Et on parlera encore du... Bah, d'aujourd'hui. Du stream d'aujourd'hui. Et voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent un peu après. Donc on parlera ça demain encore une fois. On fera un peu la liste de ce qu'il faut faire. Et on va se préparer sur mon Discord petit à petit. Donc si vous êtes intéressé encore une fois. Point d'exclamation Discord, vous pouvez rejoindre le Discord. On se concentre sur Anthem pour le moment. Mais on a d'autres jeux en tête et tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment, on se focus un peu sur Anthem. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. En tout cas, merci beaucoup aujourd'hui pour tous les follow. Merci beaucoup pour les bits. Merci infiniment pour les abonnements, surtout avec, Amazon Prime, Twitch Prime, merci infiniment à tout le monde. Et les re-abonnements, merci beaucoup à tous. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On commencera demain donc à 17h. Ouais, on commencera demain à 17h. Est-ce qu'avant de se quitter, on fait un dernier Jesse Anderson meme? Je sais, je suis pas trop sûr parce que maintenant on a eu un très très bon stream. Donc à la limite, on essaye d'oublier. Je sais pas comment vous le sentez, le chat. Jesse me manque. Et après, on se quitte. Oh mon dieu. Par contre, ah oui, une dernière note par rapport à leur stream. Il faut Jesse Anderson et Ben Irving tout le temps. Il faut tout le temps eux deux. Eux deux sont très très bien et ils communiquent bien ensemble. Et ils font des bons streams. Donc ça, c'est pas mal. Mais il a quand même parlé du level design. Il a presque parlé parce que le chat lui a demandé. Le chat lui a demandé s'il voulait parler du level design. C'était pas mal. Aussi, ceux qui sont sur console, évidemment, sur Xbox ou PS4, vous pouvez venir sur le Discord. On a plus de joueurs PC, évidemment. Mais on a quelques joueurs PS4 et Xbox, donc vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, bonne nuit à tous, merci beaucoup. Salut Bilal, tu arrives pour la fin, tu vas devoir regarder le VOD. Désolé. En tout cas, merci à tout le monde. Avant de se quitter, on va regarder Jesse. Et on va sûrement plus jamais revoir cette vidéo. Et je vous dis tous à demain. Et merci à tout le monde. Ciao, ciao.